Bonsoir à tous, on se retrouve pour la vidéo 16 de mon December Daily. Le thème aujourd'hui, alors il n'est pas très tard, il est 21h. Le thème aujourd'hui, où est la feuille? Elle est là. C'est pain d'épices. Alors du coup, ben, vous le savez, il y a 2 ou 3 jours, c'était quand? Mon thème, c'était quoi? C'était quoi le thème gourmandise? Oui. Pour le thème gourmandise, hop, attendez, je vous donne un peu le nom de mer, je relève. Pour le thème gourmandise, j'avais fait cette page-là. Donc, autrement dit, aujourd'hui, pour le thème pain d'épices, c'est compliqué. De ne pas refaire la même chose. Alors, d'ailleurs, en plus, hein, pour couronner le tout, Natacha m'a mis une image très similaire. Ah bah, c'est même pas très similaire, hein, c'est carrément la même, dans une taille différente. Ok. Bon, eh bien, il va falloir être imaginative. Donc, elle m'a préparé 2 fonds, donc en papier, donc que je n'utiliserai pas puisque j'utilise les fonds qu'elle m'a préparés. Donc, elle m'a préparé celui-ci. Donc, finalement, celui-ci aurait été bien pour gourmandise, en fait. Hein. Oh, oh. Bon, bref. Voilà. Je vais vous présenter... ça, c'est le tampon parce que j'ai préparé mon 16. Donc, il y a à l'intérieur un ruban. Comme ceci, des découpes de mon petit gingerbread que j'adore. Voilà. Un embellissement feutrine. Des boutons pain d'épices, comme ceci. Des tamponnages. Il y a encore de quoi faire, hein, quand même. Comme ceci, la fameuse image, des bâtons de cannelle, des étoiles rouges comme ceci, des petits boutons comme ceci en die cut, un tag, un stickers et j'arrive pas à l'attraper, il ne veut pas venir avec moi. Voilà. Et 2 Puffy stickers. Voilà. Donc, et bien voilà, on y va. Je voulais juste avant vous montrer la magnifique création que France m'a offerte dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, elle est sublime. Elle est toute... jolie, brillante, pailletée. Je pense qu'elle a dû y passer un brave moment. Voilà, voilà. Donc, je tenais à vous le montrer. Hop, toi, c'est là. Allez, c'est parti. On attaque. On a fait une intro courte. On a quand même bien moins de choses que d'habitude. Attention, Natacha. Donc, je rigole, hein, bien sûr. Évidemment, je rigole. Au plus il y a de choses, au plus c'est compliqué parce que du coup on ne sait plus où on est la tête. Donc voilà. Donc cette image, ben, quoi qu'il en soit, je la verrai bien au centre. Alors attendez, je vous redescends un peu parce que là sinon vous n'allez rien voir. Donc voilà. Donc je la verrai bien au centre, mais on ne va pas pouvoir garder cette partie-là. J'ai ouvert un petit peu juste avant, donc j'ai quand même quelques idées qui sont venues. C'est surtout que ça me tracassait de ne pas refaire la même chose. Donc, je vais enlever, par principe, hein, je ne sais pas si je vais y toucher ou pas, mais par principe, je vais enlever ces découpes que j'ai déjà utilisées sur l'autre page, celle-ci que j'ai déjà utilisée sur l'autre page. Déjà, on a diminué un peu, hop, on les range. Déjà, on a un peu diminué... les choses. Donc
Hop. Voilà, si on veut cacher, le but c'est voilà, c'est de pas retrouver la même image hein, parce que voilà, en élément central on pourrait mettre la maison de pain d'épices, à voir, ces petits pains d'épices on pourrait quand même les mettre un peu par là, voilà. Comme ceci. J'aimerais bien utiliser ça, ça. Ah ben les boutons, ils sont un peu verts pour le jour. Tac. On n'a pas notre sentiment. Et ça dépote aujourd'hui. Ben j'ai, disons que le fait d'avoir déjà fait une page un peu similaire il y a quelques jours, je sais vraiment ce que je veux pas. Je veux pas refaire une page voilà, qui soit la même que l'autre, même si j'adore l'autre. Donc voilà, du coup ça me limite dans l'utilisation des éléments. Thème pain d'épices, on pourrait prendre des tampons sur le thème de la nourriture parce que ça, je sais que sur les siens, il n'y en a pas dans ma boîte en métal, donc je vais en chercher dans mes affaires. J'ai toujours pas étiqueté mes tampons, mes boîtes, enfin mes trucs là. Alors il y en a. Alors là, on a vacances, là on a lettres, texte, Noël, Noël, pas classé, fleurs, mais j'en ai une quantité, et ça à mon avis, là il y a les animaux, là il y a Carabelle, là il y a le Holland Creat, on va dire qu'il me reste deux possibilités, là-bas c'est du texte. Et si on va assez vite, si on s'en sort assez vite, j'ai envie de faire une vidéo avec vous, tout simplement parce que c'est ce que je compte faire dans la semaine. Donc voilà, comme je vous l'ai dit hier, hein, je vous invente pas des vidéos que je fais pas. Par contre, si je fais quelque chose et que je peux le montrer, je vous le montre. Alors là, en l'occurrence, on partirait de zéro parce que... Ben zéro. En fait, il n'y a pas de 10 000 solutions. Hein. J'ai cherché un peu des vidéos sur YouTube. Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Mais bon, voilà. Si jamais je fais quelque chose à ce sujet, je le partagerai avec vous. Il s'agit du rangement de mes pochoirs. Voilà, voilà. Donc, on va utiliser aussi le ruban. Alors, tous mes rubans sont un peu comme ça. Donc, peut-être qu'on pourrait essayer autrement aujourd'hui. Genre là et là. Ça pourrait s'y prêter. On est au sentiment. Je m'éparpille comme d'habitude. Dès que je touche à quelque chose, il y a quelque chose qui tombe. C'est ultra désagréable. Alors, donc là, j'ai attrapé la boîte, je ne sais pas. Et je pense que c'est la bonne parce que je vois une tasse, une théière. Il y a vintage, donc c'est pas ça. Mais si, je pense que j'avais fait un truc dans le genre, non ? La danse, le sport, voilà, et la cuisine. J'avais mis un peu tout ce qui était loisir. Donc, à part le vintage, mais bon, voilà. J'ai le vintage, j'en ai pas des tonnes. C'est pas ce que je préfère. Et en plus, j'en ai une dans pas longtemps à faire. Après, j'ai le tricot, enfin, c'était les planches de Studio Light, un peu loisir. Après, j'ai le sport, la danse, j'ai quand même pas mal de tampons sur la danse. Et ensuite, on arrive à la cuisine. Donc ça, c'est pour le bouillardin. Là non plus du reste.
hop, voilà, sur le thème de la cuisine, j'ai cette planche-là, que j'avais acheté à Noz, très probablement. J'ai les trois plaisirs, comme ceci, hop. Vous voyez pas tout. Et comme ceci, c'était il y a longtemps, enfin. C'était à mes débuts chez Scrap Plaisir. Alors ensuite, on a une maison là qui a rien à faire là, qui est très jolie d'ailleurs, mais qui ici ne servira jamais puisque c'est pas sa place. Ensuite, j'ai une planche, mais plus pour la pièce de la cuisine. Celle-ci que j'avais trouvée à Noz, donc elle est en espagnol, mais bon, pour le rouleau, le batteur, c'est pas gênant. Hein. Voilà, les ananas, là on a les cupcakes, comme ceci et comme ceci. Donc il y a le à croquer que j'aime bien parce qu'il est, mais bon, il est dans un petit beurre, donc voilà. Et la dernière, c'est la planche de chez... Artemio, Togas, Artemio. Artemio avec. Ah, mais dans mes tampons de Noël, j'ai aussi un truc genre fait maison, des choses comme ça. Petite pause sucrée, petite douceur croustillante, gourmandise. Juste trop bon. J'aime bien petite. Pause sucrée, le four est encore chaud, c'est sympathique aussi. Donc ça par contre, on n'en a pas besoin. Et je vais regarder dans ce Noël, parce que je sais, j'arrête pas de mettre mon bras devant vous. Hop. Et comme je ne retouche pas aux miniatures de YouTube, je parie qu'il va mettre ça. Vous me direz, c'est moins pire que la tête qui me met des fois. Enfin, c'est la mienne, certes, mais... Mais bon, il ne veut pas dire qu'il sache saisir le meilleur moment. Hein. C'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour regarder ma tête. Donc, suite à ma vidéo d'hier, j'ai mon petit garçon qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas un haul? Les hauls, ça marche bien, maman. » Et donc, je lui ai répondu ce que je pense, hein, très sincèrement. Quand je vous fais des hauls, c'est vraiment pas pour faire des hauls, quoi. C'est parce que j'ai acheté des choses dont j'ai l'intention de me servir à plus ou moins long terme, certes, mais c'est jamais pour faire des hauls, pour dire de faire des hauls, quoi. Certes, les hauls Noz sont toujours... Ah ah ah, regardez, j'ai exactement celui qu'il nous faut, mais il est tout sale, donc on ne le verrait pas, je vais vous montrer comme ceci, on a biscuit maison, je savais que j'avais quelque chose qui allait à merveille, voilà, allez, on a tout ce qu'il faut, je passe au découpage, de mes petites choses et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait mes découpages de mes trois petits tamponnages, hein, il n'y en avait pas pour longtemps. On va s'occuper du ruban. Est-ce que j'en aurais bien mis là? Tac. Un bon coton en plus, enfin, je crois, à marquer. Voilà. Couper un tout petit bout. Évidemment, il ne s'est pas coupé droit. Il ne s'est pas coupé droit, je n'ai pas coupé droit. Je n'ai pas coupé droit. Ah, et là, on a presque le pain d'épices cramé.
Voilà, voilà. Ah, c'est un chouïa trop long. Bon. Quoique. Non, c'est pas. Donc, on va le coller là. À la colle. On avait fait des sablés avec les enfants quand on a fait le sapin. Enfin, pas le jour même, le lendemain, je crois. Parce que le jour même, c'était déjà une grande aventure. Et normalement, je fais toujours du pain d'épices avant Noël. Et là, je n'en ai pas encore fait. Et il va falloir dangereusement que je m'y mette. Voilà, voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Tac. Franchement, quand je vais mettre les photos, ben, je vais pas manquer de matériel. Hein. Je vous le dis. Il me semble que je peux faire au moins plusieurs Noëls avec ce que Natacha m'a mis. Voilà, on va coller la grande étiquette au milieu. Voilà, elle va servir de base, hein. C'est pas du tout l'élément principal. Alors ça par contre, je le mets bien. Mais à voir. Oups, comme ça peut être pas mal. Alors j'en veux un dans la chantilly et un autre là. La cannelle, non, pas la cannelle. J'avais dit mes petites étoiles. Hop. On ne les voit pas trop trop, mais c'est bien. Bon, elles sont là. Là. Et les tamponnages, donc mon biscuit maison, ça c'est sûr. Après, j'étais tellement pressée que j'ai même pas regardé. Il y a aussi le fait maison, mais bon, on n'a pas de fait maison. Fait avec amour pour Noël. Le approuvé par la maîtresse de maison. Donc. C'est pas mal aussi. Tac, tac. Bon, celui-là, il est dans un état. On va peut-être essayer de lui redonner une petite jeunesse avant de... Parce que, voilà. J'utilise pas souvent du nettoyant. J'en ai, hein, mais je n'utilise pas souvent. On va pas attaquer nos torchons tout de suite du calendrier d'avant. C'est ce qui énerve, mais bon, vous voyez déjà, ça lui a donné un petit coup de neuf déjà.
qui énerve mes copines quand elles prennent mes tampons. Ah, mais je ne l'ai encore pas nettoyé. Mais non. Je suis en même temps, hein, vous le savez. Bon, ça fait quand même un brave moment qu'on n'a pas scrappé entre copines, mais voilà. Alors, là, j'avais dit, le four était encore chaud. Petite pause sucrée. Gourmandise, friandise, les yeux plus gros que le ventre. On va se régaler. On va se régaler. Je verrai bien juste là, sur mon étiquette. Et par contre, biscuit maison pourrait être là. Il pourrait. Ça fait redondant avec approuvé par la maîtresse de maison. On verra bien. Allez, on va tamponner les trois. Je ne sais pas si l'autre, je ne le mettrai pas directement. On verra. Du papier. Du papier, du papier, du papier. Non, j'ai toujours une petite chute qui traîne pour faire ça. Comment se fait-ce que je n'en ai point? Voilà. Impeccable. Maintenant, on a perdu le bloc. Le grand. Bon, je vous pose. Il était rangé. Donc, c'est compliqué pour moi, les choses rangées. Alors... Joli. Hop, on va faire alors normalement vous devez prendre un tampon, un bloc pardon, qui fasse pas beaucoup plus que la largeur de votre tampon. Ça permet une meilleure répartition de... Là, c'est clairement ce que je viens de faire avec un tout petit tampon sur une grande plaque. C'est vraiment pas le mieux. Voilà. Normalement, vous devez essayer d'adapter la taille. Comme ça, il y a une meilleure pression répartie. Comme là, où j'aurais dû le centrer à la limite. Ça va, c'est joli. Voilà, donc on a nos tampons. On a tout découpé. Donc on va faire une petite séance de collage, de colorisation, et on va voir où ça nous mène. Parce que mon cadre, là, je vais pas pouvoir le faire avec le ruban. Il va falloir que je trouve une idée. Je ferai des demi-cadres, mais un peu plus épais, je pense. Allez, on colle. On est à combien? 23 minutes. Ce que je vous pose pour coller, histoire que ce ne soit pas trop long. C'est surtout pendant la colorisation que je prends du temps. Je sais qu'il va aller là. J'ai pas besoin de le mettre en relief. Voilà. Ça, je l'avais déjà collé. Mon tag.
ma maison. Est-ce qu'elle ressort assez? Toujours des problèmes moi, avec ça. Hein. Ouais, elle serait mieux en relief. Hein. Même si je la mets en relief, je ne pourrais plus trop la colorier ici. Ouais. Ça va être plus difficile. Nous aimons les défis. Ça me fait penser. Alors, j'ai pas testé parce que j'avais acheté à Action. Enfin, ça, je l'ai testé, mais il y a un truc, ça n'a jamais fonctionné. Mais là, j'en ai acheté en pharmacie de l'anti-adhésif. Camille Scrap doit savoir si ça fonctionne. Normalement, c'est pour enlever les traces de pansement. Et je me dis que si ça se trompe pour les ciseaux, là, que je suis tout le temps en train de les abîmer. Alors là, il faut se remettre sur les traces de colle, parce que sinon, ben, ça ne va pas faire joli. Voilà, c'est pas mal. Et donc, il nous reste les tamponnages. Ah bah oui, du coup, il y a quand même lui, là. Bon, en plus, avec la... J'avais même pas fait gaffe. Mais en plus, avec la maison, c'est rigolo. Ça va bien. Alors, on va se régaler, je l'aurais bien vu sur le tag là. On est déjà le 16 décembre. Incroyable comme ça passe vite. Et à la fois pas et à la fois beaucoup. C'est tout le paradoxe de cette année 2020. Alors, comme vous pouvez le constater, je fais à l'œil, donc c'est pas toujours. C'est pour ça qu'ancrer reste quand même une solution assez pratique. Et maintenant, voilà. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est simple. Mais voilà. On va ancrer les étiquettes. Je ne sais pas en quelle couleur elles vont se terminer. Sûrement rose hein, pour changer. Mais effectivement, un peu de vert, ça aurait peut-être été pas mal. Bon, j'ai encore à coloriser hein, de toute façon. Hop, je vais mettre sur pause parce que je crois que j'ai de la visite. Ah, des problèmes de vêtements pas pris pour demain. Voilà, voilà. On continue. Donc, on en était à ancrer nos bords. On apportera la couleur après. On va déjà les coller. C'est mieux. Excusez-moi. Ça me gêne qu'il y ait deux fois le bonhomme, là, côte-côte. Ça en fera trois. Et c'était pas comme ça tout à l'heure, mais alors je vous dirais que mon problème est résolu. Voilà. Voilà, voilà. Allez, tergiverse pas. Pour en venir à mes pochoirs, hein, en attendant que... Ah, j'ai déjà essayé plusieurs techniques, comme bon nombre d'entre vous, je suppose. Donc, technique numéro 1. Au tout départ,
Vu que j'ai travaillé chez Scrap Plaisir et que les pochoirs de Scrap Plaisir sont comme ça. Mais c'est dans un classeur. Mais franchement, ouvrir les anneaux, fermer les anneaux, en fait, ça va bien quand on scrape tranquille, pour soi, tranquillement, comme ça. À partir du moment où on fait des vidéos, déjà, c'est plus compliqué parce que ben, t'en prépares rien, c'est toujours un peu compliqué. On décale un chouïa. Voilà. Donc là, je vais apporter la colorisation, le cadre. Et je reviens. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai mis en couleur mes étiquettes, mes pains d'épices, ma petite maison, enfin mes tamponnages. J'ai rehaussé avec un Posca blanc à certains endroits. J'ai rajouté des dots nouveaux comme ceci. Voilà. J'ai fait un peu d'ajout avec mes feutres métallisés. Voilà. Bah écoutez, je trouve que cette page fait plus gourmandise et l'autre plus pain d'épices, mais globalement, on est plutôt pas mal. On a oublié le 16. Bon. Alors, hop, normalement, je pense qu'il devrait bien s'incorporer au paysage par ici. Non, il n'y a rien. On est à peu près. Et voilà, on dirait qu'on avait laissé la place pour. Et voici. Eh bien écoutez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou un bonjour. Et je vous dis à demain.